Mes caviars sont là? Est-ce que mes champagnes sont là? Est-ce que mes kelempés sont là? Est-ce que mes kelempés sont là? Est-ce que mes champagnes sont là? Je suis un peu en retard, mais bon, c'est une question d'habitude aussi, hein. C'est une question d'habitude. Vous êtes habitués. Vous êtes habitués, mes amours. Vous êtes habitués. Oh, les gens qui envoient demandent la même. Ça m'énerve. Vous êtes habitués, mes amours. On dit quoi, mes champagnes? Mes kelempé? Mais distingué. Non, je suis un djoudjoul. Je suis un djoudjoul. Il dit que dès que les caviars se connectent en même temps. Non, c'est ça qu'on appelle une famille. C'est ça qu'on appelle une famille. Une famille qui est prête. Une famille qui est disponible. Une famille qui est. Non, il n'y a pas aucun pour vous. Il n'y a pas aucun pour vous. Mes amours, aujourd'hui là, c'est dit qu'aujourd'hui, il a fait de l'art. Oh Dieu, elle fait de là, vous comprenez un peu. Il a fait de là. Non, mais il dit que ce petit cœur-là, j'aime comme ça. Et puis, c'est un petit cœur avec une couronne. Donc, ça dit que c'est un cœur de reine ou même princesse, là. J'adore. J'adore ce cœur. Donc, il dit que les amours. Oh Dieu, là. Oh Dieu, là. Il a parlé d'un truc très important, un thème très important. Vous comprenez un peu le truc. Oui, parce que c'est important, vous savez. C'est vrai que le système TikTok, quand tu fais un direct, il faut que les gens interviennent et tout, oui. Mais il y a des fois aussi, il faut que je vous montre ce pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que mon talent, c'est-à-dire que développer un thème. Voilà, ça aussi, souvent, c'est important. C'est pas toujours on prend les gens pour causer. Souvent aussi, là, faut montrer aux gens que tu as talent. Qu'il y en a ici. Tu n'es pas là comme ça à planer dans l'air. Hein? Tu n'es pas venu accompagner tes camarades. Donc aujourd'hui, il a développé un thème. C'est-à-dire que comment se faire désirer? Comment se faire désirer? C'est-à-dire que quand tu es dans ta relation là, tu es dans ton couple là, comment tu vas te faire désirer? Et puis le gars va être fan de toi. Comment tu vas te faire désirer? Et puis le gars, c'est dit que tellement que il sera fan de toi, tellement que tu vas le tamponner, lui-même il va pas comprendre. Toi-même tu vas pas comprendre son attitude et il sera collé comme ça. Il sera sur ton dos. Tu vas dire mais attends, lui là il est bassé ou pas? Tu l'as pas bassé. C'est de la manière que tu te comportes. Par moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a deux sortes de basses. Il y a deux sortes de basses. Il y a basse qui est négatif et puis il y a basse qui est positif. Basse qui est négatif là, c'est aller voir les marabouts, aller voir les féticheurs, ça là non. Mais un comportement, tu vas avoir, on appelle ça basse naturelle. C'est-à-dire que c'est dans ton attitude, dans ta manière de faire, ta manière d'être dans la relation. C'est ce qui fait que le gars, il est malade de toi. Il est fou de toi. Et toi-même, tu ne comprends pas. Oui, c'est quoi ça? Peut-être tu as une façon de te comporter. Oui, c'est ça. Parce que vous savez, dans la vie, dans tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a un code. Dans tout ce qu'on fait sur cette terre, il y a un code. Voilà. Maintenant, quand tu ne maîtrises pas le code, tu ne connais pas le code, mon cher. Tu as resté comme ça à souffrir dans les relations. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais avant même de commencer, mes amours, il y a que vous tapotez. Le direct a attaqué. Le direct a attaqué. Un coup, ça s'est bloqué et puis après, ça a redémarré. Donc, les cafards sont en train d'attaquer. Les crabes sont en train d'attaquer. Ceux-là même qui ne servent à rien sur cette terre, qui sont venus accompagner leurs camarades, sont en train d'attaquer le direct. Oui, parce que El Monumento est là. Celle-là même qui est la plus influente d'Afrique. La femme qui n'est pas dans buzz, qui n'est pas dans clash, mais quand elle est en direct, c'est gâté. C'est la KLMP qui fait ça. Donc, c'est dit, les Jatao sont en train de signaler. Oui, les ratés, là, ils sont en train de signaler. Donc, tapotez au maximum. Tapotez au maximum pour sécuriser le direct, parce que ça s'est bloqué un moment. Donc, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Et puis ça. Oui, on dit quelle élégance. Vous voulez voir mon style un peu ou quoi? Vous voulez voir le petit style que je me suis tapé? Un petit style bourgeois.
Un petit style bourgeois, c'est laquelle un peu? C'est la Dai Chicane, El Monumento. El Monumento, regardez un peu le petit style. Une petite veste, un peu à l'africaine. Oui, j'ai jeté un petit jean. Voilà, pour casser un peu le côté sérieux. Petit jean, petit t-shirt. Hein? Petit jean, petit t-shirt. Puis j'ai jeté la veste dessus. La veste traditionnelle dessus. Hein? Et puis. Voilà, c'est ça. C'est une affaire de caviar. C'est une affaire de champagne. Une affaire de caviar, une affaire de champagne. Vous comprenez un peu le truc. Donc, vous comprenez. Viens me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic. La coach caviar. La coach champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les A. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne planes pas. C'est la férigoula des coachs. Des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il y a faramponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, à tous les cas, tapotez, tapotez, je suis essoufflé. Tapotez mes amours pour la présentation. Tapotez pour la présentation, mes amours. Oui, c'est quoi ça? Donc, comme je vous disais, avant de commencer, je vais me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Ah, je me suis présenté même. Je me suis déjà présenté. Je me suis présenté ou pas? On dirait que quelqu'un voulait me présenter, me suis levé pour montrer un peu le petit style. Est-ce que je me suis présenté la famille? Il est déjà venu me présenter. Oui? Ok, il y a folle. Donc, comme je vous disais, mes amours, mais avant même, oui, on dit je ne me suis pas présenté. Si, on dit je me suis présenté. Je me suis présenté, ok. Mais j'ai dit que mes amours, avant de développer le thème, avant de framponner le thème, permettez-moi de dire un grand merci à mes caviars, mes champagnes, mes KLMP, mes distingués. Ceux-là même qui ont effectué un déplacement, mais de ouf. Un déplacement de ouf à la Foire d'Afrique de Paris. À la Foire d'Afrique Paris. Ce samedi. Le samedi, j'étais à la Foire d'Afrique. J'ai fait un show là-bas. Mais je dis que c'est du jamais vu. Du jamais vu. Ils sont à leur troisième édition. Mais le monde qu'ils ont eu, ils n'ont jamais vu ça. En fait, ils n'ont même pas pensé à ça. Eux-mêmes, ils étaient ébahis. Ils étaient choqués. Mais c'est quoi tout ça? Mais tout ce monde, j'ai dit, c'est la KLMP qui fait ça. C'est la Dai Chicane qui fait ça. Quand elle va quelque part, c'est Djamana. Donc, je vous dis merci. Merci d'avoir effectué un déplacement. Mais je dis, merci de vous être déplacé. C'était rempli. Merci à tous mes caviars qui sont quittés en Afrique, qui sont quittés partout en Europe, qui sont venus pour la Foire d'Afrique. Je vous dis merci. Vous m'avez grandi. Vous avez montré aux gens que je ne suis pas n'importe qui. Oui, que je peux compter sur vous. Merci à vous, en tout cas à vous. Merci. Donc, comme je vous disais, comment se faire désirer dans son couple? Comment se faire désirer par un homme? Il a dit que mes amours, moi, je framponne. Moi, je parle. Moi, je baille. Vous tapotez. Je baille, vous tapotez. Voilà. Vous tapotez au maximum. Parce que quand il a commencé le framponnement, là, je n'ai plus vous dit de tapoter. Voilà. Donc, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Et plus vous tapotez, plus ça sécurise le direct, plus moi, ça m'inspire. Et puis, je gâte le coin. Vous savez. Il y a des gens, ils sont dans leur relation. Il y a des femmes, elles sont, il y a des filles, elles sont dans leur relation. Elles ne connaissent pas le code. Elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas le secret. Comment rendre un homme dingue? Comment rendre un homme fou? Il y a des filles, elles ne comprennent pas. Elles sont dans la relation. Elles disent, mais moi, en tout cas, bah, moi, je n'ai pas envie de jouer un rôle. Hein. Moi, quand je suis dans ma relation, je suis amoureux, je ne joue pas un rôle. Si j'ai envie de dire je t'aime, je t'aime. Si j'ai envie de l'appeler 10 000 fois, je l'appelle 10 000 fois. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Oui, ma chérie, si tu as envie de faire ça, tu le fais. Tu es libre en fait. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu te sens aimé dans ta relation? Quand tu fais ça, est-ce que ta relation arrive quelque part?
quand tu fais ça, cet homme qui t'a promis le mariage, cet homme qui t'a promis l'engagement, est-ce qu'avec l'attitude que tu as là, est-ce qu'il a, il a respecté l'engagement? Est-ce qu'après, il n'est pas rentré un peu dans la fainéantise? Est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas commencé à être distant? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment se faire désirer? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un, c'est pas parce que tu es avec un homme que vous devez vous voir tous les jours. C'est pas parce que tu es avec un homme, tu es avec ton gars, ton chéri, que tous les jours vous devez vous voir. Matin, midi, soir, vous devez vous voir. Du lundi au lundi, vous devez vous voir. Non. Non. C'est-à-dire, ça tue quelque chose. Ça tue quelque chose. Quand il veut te voir, il te voit. À chaque fois qu'il veut te voir, il te voit. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle le début de relation. C'est-à-dire qu'un début de relation, c'est magique. C'est la folie. C'est-à-dire que quand tu commences une relation avec un homme et que cet homme en début de relation, tout ce qu'il va manifester, c'est-à-dire cette façon d'être accro, cette façon de vouloir te voir à chaque fois, de vouloir te toucher, de vouloir te mourir à chaque fois, c'est pas de l'amour. C'est pas encore de l'amour. Par exemple, quand vous commencez une relation là, on peut pas dire le gars il est fond de toi, il est amoureux de toi. Il est attaché à toi. Parce que l'amour, ça s'entretient. L'amour, ça grandit un peu. Et puis après, ça devient quelque chose de très consistant. Ce qui se passe, c'est que les amours qui commencent, c'est un coup de boue. On appelle ça coup de foudre. Mais en général, les coups de foudre ne durent pas. Vous avez déjà vu coup de foudre qui a duré? Depuis que vous êtes né là, quelqu'un vous a dit, je suis... Mais dès que je l'ai rencontré, ça a été le coup de foudre. Est-ce que vous avez déjà vu que ça a duré? Ben, un coup de foudre là, c'est comme le vent. Coup de foudre, on appelle ça relation vent. Ça vient, vous. Ça passe, et puis c'est fini. De la manière, il t'a aimé à la folie. Pendant les 2 semaines, 1 mois là, c'est comme ça, un matin, il se réveille, et puis tu le dégoûtes. Un matin, il se réveille, et puis tu ne lui dis même plus rien. Et puis toi-même, tu es choqué. C'est-à-dire que toi, la nana, tu es choqué, tu te dis, mais attends, il était accro à moi, il était fou de moi, mais il m'appelait tout le temps, il voulait me voir tout le temps, mais je ne comprends pas, il s'est refroidi, je ne comprends pas. Oui, ma chérie, on appelle ça coup de foudre. Entends-moi ce que je suis en train de te dire là. Moi, je ne suis pas dans coup de foudre. Moi, je ne suis pas dans relation qui fait 1 semaine. Je ne suis pas dans relation qui fait 3 mois. Je ne suis pas dans relation qui fait maximum 6 mois. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans la continuité. Je suis dans la durée. C'est-à-dire que c'est que tu vas commencer. Et puis avec le temps, le gars, il est de plus en plus amoureux de toi. Il est de plus en plus fond de toi. Il est de plus en plus, il a de plus en plus envie d'être avec toi. Il se projette. Il est dans l'avenir avec toi. Il te met dans son quotidien. Il se met dans ton, dans ses habitudes. C'est de ça que moi je parle. Sinon, je ne parle pas de coup de foudre. Donc, ça veut dire que quand tu commences une relation avec un homme, cet homme-là, au début, comme je dis, il a envie de te voir tous les jours. On appelle ça le début. C'est la flamme. Vous comprenez? Donc, il veut te voir lundi. Il veut te voir mardi. Il veut te voir mercredi. Souvent, même, il te voit le matin. Et puis, l'après-midi, il te dit, non, je ne peux pas. J'ai envie de te voir encore. Il revient te voir. On appelle ça un début. On appelle ça la folie, c'est-à-dire la folie d'un début de relation. Et donc, c'est en ce moment-là, toi la fille, tu dois créer une base solide. C'est en ce moment, toi la fille, tu dois commencer le travail. Parce que moi, c'est ce que je vous dis, quand tu veux tamponner un homme là, quand tu veux te faire désirer, quand tu veux qu'un homme soit malade de toi là, c'est pas... 1 an après, tu vas commencer. 2 ans après, tu vas commencer. C'est dès le début. Dès le commencement. Voilà. Parce que quand tu es en train de construire, là, c'est la base, la fondation, là, c'est ce qui compte. Parce que si la maison n'a pas une bonne fondation, la maison, il suffit qu'il y ait un grand vent, vab. Ça tombe. Donc, c'est dès le début. C'est-à-dire que quand le gars, tu vois qu'il a tout le temps envie de te voir, c'est à toi de dire en ce moment-là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas de l'amour. Ce qui est en train de se passer, il n'est pas fou amoureux de moi. C'est juste un début. Voilà. Donc, c'est à toi de te faire désirer. C'est-à-dire que si tu as vu lundi, que le mardi veut te voir, c'est à toi de dire non. Ce mardi-là, je suis prise. Ce mardi, j'ai mon cours. Ce mardi, je dois aller étudier, je dois aller bosser. J'ai ma formation. Ce mardi, j'ai rendez-vous pour tant. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves une excuse. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire que quand tu te fais désirer, l'excuse que tu trouves, il faut que ce soit une bonne excuse. Le genre d'excuse qui montre au gars que tu es occupé. Le genre d'excuse qui montre au gars que tu as un quotidien riche. Parce qu'une femme, c'est ça. Une fille, c'est ça. Une fille qui n'a pas de quotidien riche, elle est vide. Elle est fade.
Parce qu'un homme, quand il rentre dans ta vie, et puis il voit que tu es toujours disponible, il voit que tu ne fais rien. Il t'appelle à midi, je dors. Il t'appelle le matin, je suis couché. Il t'appelle à 14h, oui, je suis en train de regarder la télé. Il t'appelle à 16h, non, je suis là, je suis assise devant la porte. Ou bien non, je suis assise là, je suis en train de regarder la télé. Ou bien je suis en train de regarder Internet. Je suis en train de regarder Coach Amon Chik. C'est-à-dire que lui, depuis le matin, il t'appelle là, jusqu'à le soir là. Tout ce que tu lui dis là, c'est zéro. Tu n'es même pas en train de faire quelque chose. Bon, un homme même déjà, qui commence à sortir avec toi, qui constate que tu n'as pas un quotidien riche, qui constate que tu n'es pas occupé. Mais cet homme-là, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu fais, si tu veux, faut être la plus grande mousseuse du monde. Arrivé à un certain moment, il n'aura plus d'intérêt pour toi. C'est-à-dire, tu ne vas plus rien lui dire. Parce que ta vie est fade. Ta vie est vide. Il n'y a pas d'action dans ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que toi, une femme, déjà, pour te faire désirer, il faut que tu aies un quotidien. Pour te faire désirer, il faut que tu sois occupé. Pour te faire désirer, il faut que tu fasses quelque chose de tes journées. Voilà. Parce que Internet, là, tu peux être en train de travailler, puis tu suis Internet. Tu peux être en train de conduire, tu suis Internet. Enfin, je veux dire, tu peux, ton travail ne peut pas t'empêcher, tes activités ne peuvent pas t'empêcher d'être sur Internet, de t'affairer. Tu peux même mettre l'écouteur sans regarder la personne et puis tu écoutes. Et tu es en train de faire ton travail. C'est très important. Donc, le gars, s'il t'a vu lundi, qui veut te voir mardi, tu n'as pas le temps. S'il veut te voir mercredi, il peut te voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de lui montrer que toi, tu n'es pas là tout le temps comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour lui. Tu n'es pas là pour lui. Tu n'as pas que ça à faire. Et un homme déjà, dès le départ, quand il voit que tu es une femme qui est beaucoup occupée, tu es une femme, même si tu n'es pas en train de faire quelque chose. Même si tu n'es pas en train de faire quelque chose. Mais il faut dire que tu es en train de faire quelque chose. Voilà. Il faut dire que tu es en train de faire quelque chose. Voilà. En fait, c'est du mensonge utile. C'est du mensonge utile. Et cet homme-là, au fur et à mesure qu'il va voir que, à chaque fois qu'il veut te voir, tu n'es pas tout le temps disponible, cet homme-là, automatiquement, il comprend qu'il n'est pas le centre de ton intérêt. Il n'est pas le centre de ton monde. Voilà. Donc, il commence déjà à ressentir de l'admiration. Parce que moi, vous savez, c'est ce que je dis toujours. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand vous êtes dans votre relation, c'est-à-dire que quand vous êtes avec les gars-là, ils n'ont qu'à vous admirer avant de vous aimer. Ils n'ont qu'à vous admirer avant de vous aimer. Quand tu commences une relation avec un homme, quand tu es avec un homme qui t'admire avant de t'aimer, cet homme-là, quand il commence à t'aimer vraiment, on appelle ça de l'amour mature. Parce que c'est un amour solide. C'est un amour qui a été, c'est-à-dire, construit. C'est un amour qui a grandi au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il voit un peu comment tu es. Il voit comment tu vis. Il voit ce que tu fais dans ta vie. Il voit comment tu es cultivé. Il voit comment... Et c'est comme ça, en fait, tellement qu'il admire la femme que tu es, la fille que tu es. En plus de ça, tu n'es pas à sa merci. Il ne te voit pas quand il veut, où il veut. Ça crée de l'admiration. Et quand là, il y a de l'admiration, automatiquement, il y a l'amour qui vient. Et cet amour-là est très solide. C'est très, très, très important, mes amours. C'est très important. C'est-à-dire que tu es avec un gars et toi, tu trouves logique que vous restez au téléphone pendant des heures et des heures. En fait, pour toi, c'est normal. Toi, c'est normal. Oh, mais on s'aime tellement. On s'appelle juste toute la journée, toute la nuit, on s'appelle. Pour toi, c'est normal. C'est vrai. C'est très beau. C'est très beau. C'est-à-dire que quand tu aimes et que la personne t'aime, quand vous êtes au téléphone tout le temps, c'est tellement beau. Tout le monde aimerait vivre ça. Mais c'est le rendu là. C'est le rendu là qui n'est pas bon. C'est quand vous êtes en train de faire là, c'est beau. Hein? Mais c'est ce qui va suivre là qui n'est pas bon. Parce que ça ne va pas durer. Ça n'aura pas long feu. Donc, ce que vous êtes en train de vivre intensément là, c'est pour une période bien précise. Après, il va s'enlacer. Vous comprenez un peu. Parce que vous ne comprenez pas souvent, vous les nanas, en fait, à force d'être tout le temps au téléphone avec vos chéris, à force de répondre tout le temps au téléphone, à force de vous-même appeler tout le temps, arrivé à un certain moment, quand vous appelez là, ça sonne juste quand on ne décroche pas. Ça sonne juste quand on ne décroche pas. Entends, quand vous avez commencé au début, dès que tu l'appelais, clac, c'est-à-dire que le téléphone sonnait une seule fois. La deuxième sonnerie nette, il prenait. Allô chérie. Pourquoi? Parce que c'était nouveau.
parce qu'il n'était pas habitué à ça. Et donc, le fait que tu appelles, ça lui faisait vraiment plaisir. Mais à force de l'appeler, à force de lui envoyer des messages, il y a des filles, mais tu les vois en train d'écrire à leur chérie, tu te dis, mais attends, celle-là, c'est vrai, elle a fait de la littérature, mais elle ferait mieux d'écrire un roman. Parce que c'est quoi ça? Il y a des filles, tu les vois en train d'envoyer un message à leur chérie, mais ce n'est pas possible. Le message est long comme ça, c'est une lettre. C'est une lettre qu'elle envoie. On dirait qu'elles sont en train d'écrire au maire ou aux députés de leur ville ou peut-être au président de la République. Je ne comprends pas. Oui, c'est-à-dire qu'elles envoient lettre. Lettre qu'elles envoient là. Le gars n'a même pas encore répondu. Elles envoient encore une deuxième lettre. Mais c'est quoi? C'est quoi cette façon? Cette façon d'étouffer les hommes. C'est quoi cette façon d'occuper leur espace? Vous occupez leur espace jusqu'à vous devenez banal. Tu as envoyé une lettre. On n'a pas encore répondu à la lettre. Tu envoies encore deuxième lettre. Bon, la deuxième lettre là, ça sert à quoi? Puisque ce que tu as envoyé là, on n'a pas encore répondu. Donc deuxième là, c'est pourquoi? Faut attendre, il va répondre, ma chérie. Hein? Toi, attends, il va répondre, mes amours, tapoter l'écran, on doit être 1 million. Normalement, là, on devait être 1 million de likes, mes amours. On devait être 1 million de likes. Quand vous tapotez comme ça, ça sécurise le direct. Et ça fait que quand les Jatao signalent, ça ne fait rien. Attends qu'ils répondent, ma chérie. Attends qu'ils répondent. Il y en a même qui vont envoyer un message. Long message comme ça. Et puis le chéri, quand il répond... Ok, d'accord. Ok, bisous. C'est-à-dire que toi qui es femme là, toi qui es femme qui dois te faire désirer là, toi qui dois parler moins là, qui dois écrire moins, c'est toi qui écris lettre. Et puis le gars quand il te répond, ok chérie, ok bébé, ok bye, à tout à l'heure. C'est-à-dire que toi tu écris 50 lignes, lui il écrit une seule ligne et puis il t'envoie. Mais une ligne qui t'a écrit là, tu ne vas pas comprendre que tes lettres que tu envoies là, ça le saoule. Tu ne comprends pas ça, hein? Ok, bébé, là, tu vas encore envoyer deuxième lettre. Il va te répondre, ok, je te rappelle. Ou bien, ok, à tout à l'heure. Mais ce n'est pas ton problème. C'est là encore, tu vas écrire. Mais pourquoi tu ne réponds pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Mais je t'écris, tu ne réponds pas bien, tu es trop bref. Pourquoi tu es bref comme ça? Tu n'as pas envie de parler, mais qu'est-ce qu'il y a, je te dérange? Si tu n'as plus envie que je t'écrive, dis-moi. C'est quoi ça? Ça devient de l'harcèlement, ma chérie. Tu es en train d'harceler le monsieur. Tu es en train d'harceler le jeune. Tu le harcèles. Ça, tu es en train de le harceler. Et quand c'est comme ça, tu ne te fais pas désirer. Tu ne te fais pas désirer. Tu lui as écrit lettre. Si lui, il t'a répondu en une seule ligne. Maintenant, tu lui dis, tu fais pas là que oui, pourquoi il répond en une seule ligne? Pourquoi? C'est quoi ça? Mais quand toi, une femme, même, tu te comportes comme ça, le gars, il comprend automatiquement que tu es... C'est-à-dire, c'est fini. Tu n'es pas une femme fatale. Tu n'es pas fatale. Quand je suis en direct, quelqu'un m'appelle là. Là, je ne supporte pas. Attendez, je vais éteindre ce téléphone. Oh. Excusez, mes amours. J'ai éteint le téléphone là. Parce qu'il y a des gens, quand tu es en direct, c'est là qu'ils vont t'appeler. Hein? Tu vas faire parler avec le gars comme ça. On dirait qu'il est obligé d'écrire lettre parce que tu lui as écrit lettre. On dirait qu'il est obligé de continuer à converser avec toi. Non. Il n'a pas que ça à faire. Il a ses activités. Il a son travail. Il est en train de chercher son lin. Lui, il n'est pas là pour manger amour. Parce qu'il y a des femmes là, elles mangent amour. Il y a des filles là, elles mangent amour, hein. Il y a des filles, elles se réveillent le matin. Ou elles sont là même pour l'argent même pour payer leur loyer là. Elles n'ont pas encore. L'argent même pour manger, pour acheter mèche, pour faire les trucs, elles n'ont pas. Hein. Mais c'est amour seulement, elles veulent manger. Elles veulent lever seulement. Elles passent toute leur journée à lever. Mais quand le gars n'est pas disponible, elles font pas l'âme. Ma chérie, on cherche l'argent d'abord avant de manger amour. Tu n'as pas encore compris ça. Maintenant là, on cherche l'argent. C'est quand tu gagnes ton argent là, que tu peux manger amour. Donc si tu es là, c'est l'amour, tu veux manger seulement là. Garçon ne va jamais t'aimer. Garçon ne va jamais t'aimer. Les hommes d'aujourd'hui, ils font rien ça. Hommes d'aujourd'hui là, ils font rien ça. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les hommes d'aujourd'hui là, ils calculent comme nous les femmes.
Il calcule comme nous les femmes. Parce qu'un homme d'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, c'est un homme qui a envie de réussir. C'est un homme qui est ambitieux. Les hommes sont de plus en plus ambitieux. Les jeunes sont de plus en plus ambitieux. Voilà. Donc lui, il est ambitieux. Lui, il a envie de gagner l'entier. Il a envie d'évoluer. Et donc, il veut se mettre avec une fille qui peut l'emmener à évoluer. Une fille qui peut le booster. Même si ce n'est pas le booster financièrement, c'est que je ne veux même pas. Mais le booster intellectuellement. Le booster dans les idées. Le booster même dans la façon même de faire. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es occupé, quand tu as un emploi de temps riche, l'homme avec qui tu es, tu le boostes naturellement. L'homme avec qui tu es, en fait, tu lui montres le sens du travail. Tu lui montres le sens du cherchement. Et donc, il prend exemple sur toi. C'est-à-dire que même si le gars était fainéant, mais de la manière il te voit te battre, il a mené te voir entreprendre, de la manière il te voit te chercher, il se dit, mais attends, cette nana-là, non. Mais elle est trop ambitieuse. Elle est tout le temps occupée. Ah ben moi aussi, j'ai intérêt à faire comme elle. Sinon, elle va me dépasser. Puisque les hommes, bien évidemment, ont leur ego d'homme. Ils ont leur ego d'homme. C'est-à-dire qu'un homme, quand il est avec toi, toi, la nana, quand tu le dépasses, ou quand il a l'impression que tu es en train de le dépasser, son ego d'homme fait que il n'accepte pas. C'est pas qu'il est jaloux de toi, mais c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. C'est sa nature. Et donc, un homme avec qui tu es, et que tu lui montres, on dit ça bug, mes amours. J'ai vu un commentaire, ça bug. S'il vous plaît, j'ai vu un commentaire, le direct bug. Ça bug ou pas, j'ai vu un commentaire, ça bug. Bon, toi qui as mis ça bug là, si je revois ton commentaire, je te bloque. Voilà, parce que c'est vous les intrus là. Quand je suis inspiré comme ça, vous voulez mettre quelque chose pour me casser. Mais vous ne pouvez pas me casser. Parce que pour moi, là, c'est inspiration divine, c'est talent. C'est ça. Donc, cet homme-là, tu lui montres l'exemple. Tu lui montres que toi, tu n'es pas là pour lever seulement. Il y a un temps pour lever. Il y a un temps pour chercher l'argent. C'est très important. C'est-à-dire que toi, tu es une fille. Tu sois avec un gars. Il te donne rendez-vous. Il ne respecte jamais ses rendez-vous. Si vous avez rendez-vous à 14h, il se ramène à 15h. Si vous avez rendez-vous à 16h, il se ramène à 18h. Ça veut dire que, en fait, le mec, si tu veux, les heures que vous vous fixez là, lui, il s'en fout, quoi. Il s'en fout. Il te fait ça une première fois, tu dis rien. Il te fait une deuxième fois, tu dis rien. Ça sera maintenant son quotidien. Ça veut dire que lui, là, avec toi, là, ça sera blablabla. Il ne va rien prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que la première fois que vous avez eu rendez-vous, il n'a pas respecté l'heure. Il est venu, tu n'as rien dit. La deuxième fois, l'heure que vous vous êtes fixé là, lui, il est venu 2 heures après. Tu étais là, tu l'attendais. Mais tu seras respecté dans ce foyer-là, dans ce couple-là, comment? Tu vas te faire désirer comment? Si toi-même qui es la femme, qui doit même te faire désirer, tu restes là à attendre un homme pendant 1 heure, 2 heures. Mais je ne sais pas. Après, tu t'étonnes qu'il ne t'aime pas. Tu t'étonnes qu'il ne te considère pas. Qu'il ne soit pas attentionné. Mais non. Moi, je vous dis que les hommes, ils comprennent les choses autrement. Les hommes, là, ils comprennent. Ils n'aiment pas la facilité. Garçons n'aiment pas la facilité. Garçons ont horreur de la facilité. Ça, là, je vous dis ça toujours. Vous ne me croyez pas. Tu n'acceptes pas ça. Ah non. Si tu as rendez-vous avec ton chéri et que tu l'attends, toi, tu arrives, tu l'attends. 30 minutes, 1 heure, ma chérie, tu prends tes clics et claques, tu te casses. Quand il arrive sur le lieu, il va t'appeler pour dire, mais tu es où? Je suis là. Tu dis, non, je suis parti. J'avais des choses à faire. Après notre rendez-vous, j'avais un autre rendez-vous. Donc, comme tu n'es pas venu, je suis allé au rendez-vous, mais je suis en train d'aller au rendez-vous. Si tu as fait ça une fois, tu as fait ça deux fois, il ne va plus jamais refaire ça. On appelle ça la rééducation. Et on appelle ça aussi se faire désirer. Parce qu'en fait, toi, la nana, tu dois comprendre que quand vous vous donnez rendez-vous, c'est un privilège pour lui de passer un moment avec toi. C'est un privilège pour lui de partager des moments, des choses avec toi. Ça, là, tu dois te mettre ça dans la tête. Donc, quand tu te mets ça dans la tête, tu dois te dire que quand j'ai rendez-vous avec lui, il doit avoir une joie qui l'anime. Et cette joie-là doit faire que il doit être à l'heure.
On ne te parle pas de 10 minutes de retard. On ne te parle pas de 5 minutes de retard. Non. On ne te parle pas de 15 minutes de retard. Parce qu'il peut être au volant et il peut être dans un petit bouchon. Ça, là, ça peut se comprendre. Voilà. Ça peut se comprendre. Mais on te parle des retards même. C'est-à-dire que toi-même, finalement, tu te trouves banal. Tu te trouves banal. C'est toi-même qui l'appelle. Mais t'es où? Mais je suis là, t'es où? Mais depuis, je t'attends, tu es où? Mais depuis... C'est-à-dire que ça casse. Ça casse le mystère. Ça casse ce truc-là qu'il y a autour de toi. Ça casse parce que c'est toi qui es en train de le chercher. C'est toi qui es en train de l'attendre. C'est toi qui limite le harcèle parce qu'il n'est pas là. Arrêtez ça. Faites-vous désirer. Faites-vous désirer. C'est-à-dire que toi, la nana, en fait, le gars, il te plaît tellement. Parce qu'en général, quand une femme se comporte comme ça, c'est que le mec, en fait, c'est trop son genre. C'est que le mec, c'est trop son genre. C'est-à-dire que il lui plaît tellement qu'elle se dit, franchement, j'ai pas envie. Qu'elle se dit, franchement, j'ai pas envie de faire quelque chose qui va le décourager. J'ai pas envie de faire quelque chose qui va faire que il va plus venir me voir. Parce que le gars, il te plaît. Le mec, il te plaît. Tellement qu'il te plaît, tu veux coûte que coûte être avec lui. Tu veux que la relation marche. Parce que c'est ton idéal. Mais en faisant ça, tu te détruis. Parce que de la manière, il est ton genre. De la manière, tu veux que ce soit lui. Que tu l'idéalises là. C'est comme ça, lui aussi, il doit t'idéaliser. C'est comme ça, lui aussi, il doit se dire, c'est trop mon genre, cette nana. Mais j'ai trop la chance d'être avec elle. Mais cette nana, tant normal, qu'est-ce qu'elle peut faire avec moi? Mais un homme qui va penser comme ça, c'est dans ton comportement. C'est de ta façon de te prendre au sérieux. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est de la manière où tu te vends, là, on t'achète. De la manière où tu te vends, là. C'est comme ça, on t'achète. Si tu te vends moins cher, on va t'acheter moins cher. Si tu te vends cher, on t'achète cher. Alors, c'est au sens figuré du thème. On ne dit pas de... je ne dis pas, toi, la femme, de te vendre, genre, tu es en train de te prostituer. Non, c'est une expression ivoirienne. C'est pour dire de la manière dont tu te considères. C'est comme ça on te considère. Si tu ne te considères pas, on ne va pas te considérer. On appelle ça le respect. C'est tout simplement le respect. Quand toi-même tu te respectes, quand tu montes à un homme que tu te respectes, mais cet homme il te respecte. Mais si tu lui montres que tu ne... si tu lui montres que tu te respectes pas, mais il va te respecter pourquoi? Franchement, il va te respecter pourquoi? Franchement. C'est-à-dire que toi-même tu ne te respectes pas et tu demandes à l'autre de te respecter. Enfin... Je dis, c'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire, tu lui fais des reproches. Tu trouves qu'il ne te respecte pas. Mais est-ce que toi-même, tu te respectes? Toi-même, là, est-ce que tu te respectes? Est-ce que toi-même, tu te fixes des limites? Est-ce que toi-même, il y a des choses... C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne doit pas te faire. Est-ce qu'il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser? Toi-même, là, est-ce que tu te fixes une limite? Tu te fixes des limites? Non. Il fait tout avec toi. Il a rendez-vous avec toi, il ne vient pas. Ou bien, il vient 2 heures après. Souvent, mais il ne vient pas. Et puis quand il ne vient pas là, il ne t'appelle même pas pour s'excuser. Il ne t'appelle pas pour s'excuser. Et toi, en fait, c'est rien. Pour toi, c'est normal. Et le mec, c'est le lendemain, il se ramène. Et quand il se ramène, c'est comme si de rien n'était. Il profite de toi, il fait tout ce qu'il veut, et puis il part. Une prochaine fois, il fait pareil. Tu dis rien toi la même. Pourquoi? Parce que tu as tellement envie d'être avec lui. Mais un homme comme ça, il ne va pas te respecter. Tu ne te fais pas désirer. Non, tu ne te fais pas désirer. Tu es trop là. Il suffit qu'il fasse ça, tu es là. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu n'es même plus une... Tu n'es pas une priorité, en fait, pour lui. Tu n'es pas une priorité. Tu passes au second plan. Mais si tu es dans une relation où tu passes au second plan, mais tu es mal barré. Parce que même ses amis vont passer avant toi. Même ses amis vont passer avant toi. C'est-à-dire que même si vous avez rendez-vous, si vous avez quelque chose à faire, un truc de très important que vous avez planifié, des jours et des jours avant. Mais il suffit qu'il ait un ami qui l'appelle comme ça pour lui dire, bah, tu viens là, on va jouer au PlayStation ou on va aller jouer au foot ou... Il va dire, ok, j'arrive. Il va oublier même ton rendez-vous. En fait, juste pour aller jouer au foot, il oublie même... Il n'oublie même pas. C'est-à-dire qu'il néglige ton rendez-vous. Il dit, bon, celle-là, de toute façon, hein, même si je ne suis pas à l'heure, même si je ne vais pas, de toute façon, elle est toujours là, elle ne se plaint jamais. C'est une bénie, oui.
Elle accepte tout. Il s'en va avec son ami là. Il s'en va jouer au foot. Il va jouer au PlayStation. Et puis toi, tu es là, tu attends. Tu es là, tu attends. Attends, Dieu seul sait. Dieu seul sait comment tu t'es apprêté. Dieu seul sait comment tu allais acheter une nouvelle lingerie. Dieu seul sait combien de lingerie tu allais acheter. Parce que souvent, même quand tu vas même là, même tu prends une lingerie là, tu te dis non, peut-être qu'une là même, je ne vais pas trop aimer, donc je vais prendre deux. Comme ça, j'aurai le choix. Tu allais acheter soutien, tu as acheté culotte, tu as acheté habit de rendez-vous là. Tu as acheté, pourtant tu as habit, hein. Mais tu te dis habit même que tu as là, c'est pas trop joli. Donc tu t'en vas acheter habit de rendez-vous là. Souvent même, tu appelles une artiste make-up ou un artiste make-up qui vient, il te maquille. Tu es belle comme ça. Et puis maquillage là, reste sur ton visage seul jusqu'à quand ça fond. Jusqu'à quand il fait nuit. Et puis tu es là, tu attends. Parce que make-up qui est là, c'est très bien. Make-up artiste là, c'est très bien. Mais si tu, ce pourquoi on t'a maquillé là, si tu n'es pas allé faire. Mais de toute façon, le make-up là même fond sur ton visage, tu ressens même un Dracula. Tu te sens mettre en jean. Ton visage se déforme. Parce que imagine la déception, la colère, mélangée maintenant au maquillage qui est en train de fondre. Non, imagine un peu l'expression du visage. Mais tu ressens ma gonganico de jean et puis tu es assise là. Ton visage brûle, on dirait, on a pris beurre de karité, puis on t'a frotté avec. C'est la déception qui fait tout ça. Bon, tout ce que tu as payé là, tout l'an tu as dépensé là. Et puis le gars n'est pas venu. Et puis quand tu es là, comment tu acceptes ça quoi? Et puis le lendemain où tu n'es pas préparé, là, celle-là, elle va venir vous te voir. Pourquoi? Et puis là, tu dis rien. Tu trouves ça normal. Tu as vu ça là où? Tu as vu ça là où? Tu as vu ça là où? Non, mais arrêtez, franchement. Respectez-vous. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de l'importance. C'est très important. Un gars, même à chaque fois, il te dit, viens. Bébé, prépare-toi. Bébé, après toi, hein, on va sortir. Bébé, je viens te chercher demain. Demain, bébé, on est ensemble demain. Demain, samedi, je viens te chercher. On va aller un peu, on va aller boire quelque chose. On va aller au cinéma. On va aller... Puis tu t'as dit que le jour même du rendez-vous, là même, tu lui dis, bébé, et le rendez-vous là, ça tient. Il dit, mais ça tient, bébé, on est ensemble. Tout ça là pour, c'est-à-dire que parce que tellement que tu as envie d'investir sur toi, tellement que tu as envie de te saper, tellement que tu as envie de faire pédicure, manicure, te bien te choses, comment on appelle, t'épiler, bien faire les choses, faire les punchs. Parce que quand tu aimes ton gars, quand tu es fan de ton gars là, quand vous avez un rendez-vous comme ça là, tu sais que rendez-vous là, ça va aboutir au mougouli. Donc c'est-à-dire que même épilation là, même c'est souvent même c'est crête, tu fais crête là-bas. Là-bas, la même secrète que tu fais, mon cher. Parce que tu veux l'impressionner. Tu veux l'impressionner. Tu veux qu'ils se disent, waouh. Donc, coiffure même, tu fais là-bas, la même. Souvent, même, tu mets petit produit là-même pour que les poils deviennent un peu lisses. Parce que souvent, c'est crépu, mon cher. Pour que ça devienne un peu lisse. Tu mets là-même, ça ne fait même pas une minute, tu enlèves. Donc, poil là devient un peu lisse comme ça. Puis toi-même, et tu enlèves tout ce qu'il y a autour, dans les parois, tout. Et puis tu laisses au milieu comme ça, bien comme ça. Tout ça là. Et puis le gars, bon, il joue avec toi. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu ça quelque part? Il dit rien jusqu'à... S'il dit, bébé, je viens à 20h là. Il va rien te dire toute la journée. Vous allez poser, il va rien te dire. Hein? C'est à 19h45 là. Il va te dire, non, finalement, je ne peux pas venir. Parce que... On m'a appelé, on m'a dit que ça. Donc, façon, tu allais défriser là-bas et puis tu as fait crête, tu as fait punch. Souvent, même, c'est coco taillé, tu as fait là. Donc, ça va rien faire, quoi. Et puis, ça lui dit rien. Il va aller faire ce qu'il a fait jusqu'à. C'est lui-même ce qu'il allait faire là. Souvent, même, c'est une autre go, il va voir. Souvent, même, c'est une go qui drague depuis, qui ne le calcule pas. C'est ce jour-là où toi, tu as rendez-vous avec lui là. C'est ce jour-là, la fille lui dit, oui, elle est disponible. Donc, toi, il te double. Mais il va aller voir la fille. Hein? Quand il va voir que la fille ne le calcule pas, elle le prend en bizarre, là.
C'est là maintenant, il va te rappeler au dernier moment. Tu te dis, bah, finalement, j'arrive. Ce que je devais faire, bon, ça a été annulé, j'arrive. Et puis toi aussi, tu es là, tu dis, ok, je t'attends. Pourquoi? Pourquoi? Donc, ça veut dire que toi, c'est comme ça, tu es quoi? Toi, c'est au dernier moment, quand tout ce qui est prioritaire, là, n'est plus disponible, c'est là, toi, on pense à toi. Pourquoi? Faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Faut se faire désirer. Il faut se faire désirer. Quand on dit la femme est un diamant brut, là, vous pensez que c'est quoi? Quand on dit femme est diamant, là, vous pensez que c'est quoi? Femme est diamant. On est beaucoup comme ça sur la terre. Mais on est diamant. Vous comprenez? Parce que le diamant et le caillou, là, eux tous, ils ne vivent pas dans le même endroit là-bas. Diamant et puis caillou, là. Ce n'est pas dans le même endroit, ils vivent là-bas. Ceux qui sont en chercher diamant, là, ce n'est pas même caillou, là, ils ramassent beaucoup de cailloux et puis on voit diamant dedans. Donc, diamant et puis caillou, là, c'est dans même, ils vivent dans même, le même endroit, là. Donc, ils sont pareils. Ils sont pareils. Diamant et puis caillou, là, ils sont pareils. Mais c'est pareil, caillou, là, est beaucoup. Diamant, lui, il est petit seulement. Donc, c'est sa façon d'être rare, petit, là. C'est ce qui fait qu'il a de la valeur. Sinon, lui et puis caillou, là, c'est même famille, là. Ils vivent dans le même endroit. Ils vivent dans le même endroit où ils vivent, là. Si le diamant était beaucoup, là, ces cailloux, on allait prendre pour valoriser ces cailloux qui allaient coûter des millions et des millions. C'est la rareté. C'est la rareté qui fait l'homme. C'est la rareté qui te rend importante. C'est la rareté qui te donne de la valeur. Quand tu es rare, tu as de la valeur. Mais quand on te voit trop, tu n'es plus rare. Tu ne dis plus rien. Tu deviens banal. Quand on t'appelle trop, tu deviens banal. Parce qu'il n'y a rien de rare. Faites-toi un peu rare. Faites-vous rare. Faites-vous rare. C'est pour ça qu'on dit de se faire désirer. Se faire désirer, là, c'est se faire rare. Parce que souvent, quand on dit, faut te faire désirer, il y en a qui ne comprennent pas. Qui disent, mais se faire désirer, là, même, ça veut dire quoi? Ah, pour se faire désirer, là, je dois faire quoi? Je ne comprends pas. Faut te faire rare. En plus simple. Pour que tu puisses comprendre, quand on dit se faire désirer là, ça veut dire qu'il faut se faire rare. Quand tu te fais rare là, ça veut dire qu'on ne te voit pas tous les jours, on ne parle pas avec toi tout le temps, n'importe comment. On ne te dit pas de venir à tout moment, puis tu es disponible. On ne débarque pas chez toi à n'importe quel moment. Tu te fais rare. C'est ça, se faire désirer. Toi, tu viens, tu es avec un gars, vous êtes simplement go et gars, relation, couchage. Et en fait, tu donnes une mauvaise habitude au gars. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu es avec un mec, et le mec, il débarque chez toi quand il veut, comme il veut, sans te prévenir. Pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal. C'est normal, en fait, que un homme qui ne t'a pas honoré, un homme qui n'a pas eu d'engagement dans ta vie, rien du tout, c'est normal qu'il vienne chez toi, il débarque chez toi à n'importe quelle heure, il débarque chez toi comme il veut. Souvent même, tu es à la maison, tu es en vrac comme ça, parce que tu es chez toi, tu te mets à l'aise. Et puis tu es là, et puis on sonne à ta porte, c'est lui. Ou tu es quelqu'un devant ta porte, c'est lui. C'est quoi ce désordre-là? C'est quoi cette façon de se rendre banale? C'est quoi ça? De quel droit? De quel droit? Il débarque chez toi comme ça sans te dire. Il débarque sans te dire. Il y a un téléphone. C'est pas comme au temps d'Abla, beaucoup où il n'y avait pas de téléphone. On pourrait dire, bon, comme il n'y a pas de téléphone, il va marcher, il va venir. Mais il y a téléphone. Il ne te prévient pas, rien du tout. Lui, il débarque chez toi comme ça, quand il veut, comme il veut. Il y a des hommes, même à minuit. Minuit, débarque, il est chez toi. Sans te prévenir, c'est quoi ça? Et toi, tu acceptes ça. Toi, tu acceptes ça. Demain, quand il va commencer à être distant, demain, quand il va commencer à se foutre de toi, là, toi, là, même, là, tu auras mal. Pourquoi? Ben, tu as laissé trop faire. Tu as laissé trop faire. Et que toi, tu as un gars, même sans engagement, il est dans tes 16 mètres, mais laisse tomber. Il est dans tes 16 mètres, il est dans ton intimité comme ça. Tu as ton intimité? Est-ce que c'est ton mari? C'est ton mari? C'est pas ton mari? C'est ton mari, on dit oui, c'est mon mari, c'est mon époux. Mais c'est pas ton mari, lui, il rentre dans ton intimité, commence à te prévenir, pourquoi? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon.
C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de lui dire qu'il faut qu'il te prévienne avant de venir qui va le décourager, qui va faire qu'il ne viendra plus te voir ou même qu'il ne voudra plus être avec toi. Ben, c'est que dans ce cas-là, il n'avait pas de bonnes intentions. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire là, quand on dit de se faire désirer là, de se faire rare, d'imposer le respect, c'est la base. Si l'homme, ça le dérange là, c'est qu'il n'est pas venu avec de bonnes intentions. C'est que lui, il était venu pour jouer à toi. Voilà. Mais un homme qui est venu avec de bonnes intentions, un homme qui a vraiment des sentiments pour toi, quand tu lui inculques des valeurs, quand tu lui dis des choses comme... C'est-à-dire, quand tu lui demandes de faire les choses bien, ça ne peut pas le décourager. Bien au contraire. Bien au contraire, il va te respecter. Il va dire, mais cette fille-là, elle sait ce qu'elle veut. Elle a des principes. Une femme doit avoir des principes. Toi, une fille, tu n'as pas de principes, tu es zéro. Tu es belle, tu n'as pas de principes, tu es zéro. Tu es banal. Ta beauté ne sert à rien. Les hommes, ils vont jouer avec ta... Ils vont profiter de ta beauté, mais ils ne feront jamais rien de cette beauté-là. Ils ne vont jamais... Parce qu'une femme, une fille qui est belle, qu'elle a des valeurs, qu'elle a des principes, quand elle est avec un homme, il a une façon de la traiter, sa beauté ressort encore plus. Sa beauté prend de la valeur. Sa beauté prend de la valeur. Il y a des villas que tu vas les trouver à Azerbaïdjan. Des villas, tu vas les trouver au fin fond de Yugos City. Et puis les mêmes villas là, tu vas trouver ça en France ici. Est-ce qu'ils ont de la même valeur? Est-ce que les villas là, elles ont la même valeur? Non, pourtant c'est les mêmes villas. Hein? C'est la même construction, c'est-à-dire que la même maison là, la même maison, même construction, tu déposes une à Paris, en France ici, tu vas déposer dans un bidonville. Ça n'a pas la même valeur. Pourquoi? Parce que l'autre côté là, c'est bidonville. Et ici, c'est la France. Pourquoi? Parce que France se prend au sérieux. C'est de la manière la France se vend là, qu'on l'achète. Sinon, c'est le même quartier là, c'est le même pays là. Mais pourquoi pour France, c'est coûteux comme ça? Et puis on achète malgré que c'est coûteux. Parce qu'ils se donnent de la valeur. Donc, c'est quand tu te donnes de la valeur que tu te donnes là, ça fait qu'en fait, l'homme qui est avec toi, il comprend automatiquement qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi. Mais tu es belle. Mais c'est comme ta beauté, tu étais au fin fond de Yugo City. On dit, oh, oui, elle est belle, mais bon, elle est belle, mais franchement, elle n'a pas de principe. C'est une fille qui est là comme ça, quoi. Sois belle et tais-toi. Voilà, c'est le genre de fille, sois belle et tais-toi. Parce que quand vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes jolie, jolie, là. Vous vous tremoussez sur TikTok. Et puis, vous n'avez pas de personnalité, là. Les hommes, c'est-à-dire que les gars qui vont vers vous et puis ils sortent avec vous, là, c'est ce qu'ils disent quand ils sont à leurs amis, hein. Quand ils sont assis avec leurs copains là, et puis ils sont pas les amis, les garçons là, les hommes là, ils critiquent comme nous les femmes. Ils savent faire comme nous les femmes. Quand ils sont entre eux hommes là, ils savent faire. Sur leurs petits amis, ils savent faire sur leurs conquêtes. C'est comme ça. De la manière nous les filles, nous les femmes on fait là. Quand on est entre nous, on sait faire. Ah mon gars, ah mon temps, moi j'ai un dragueur. C'est comme ça les hommes font. Donc toi qui es jolie jusqu'à, mais tu n'as pas de personnalité là, c'est comme ça on parle de toi. Oh bon. Sois belle et tais-toi, quoi. C'est un peu le genre. Ben, je te dis, elle est belle, mais ben, elle n'a rien dans la tête, quoi. Non, mais elle n'a pas de personnalité. Oh non, mais franchement. Non, mais franchement. Elle est saoulante. Elle est collante, on dirait un pou. Ah bon? La jolie nana, là. Ah, mais je te dis, elle est belle pour rien, quoi. Il suffit juste de la fréquenter, mais elle est tellement. Dans ta beauté, là, ça sert à quoi? Ta beauté, là, ça sert à quoi? Franchement. Mes amours, t'apportes l'écran, on doit être à 2 millions. On t'apporte l'écran, on doit être à 2 millions. Donc ta beauté là, ça ne sert à rien. Tu es là, tu dis, je suis jolie, je n'ai pas de chance en amour. Je suis jolie, les hommes ne jouent avec moi. Je suis jolie, mais je ne comprends pas. Quand je sors dans la rue, on me drague, on me dit que je suis belle, que mon homme a de la chance. Même l'homme même avec qui je suis me néglige, ma chérie. Tu es belle, mais le comportement que tu as là, ça ne va pas être ta beauté. Tu ne sais pas te faire désirer. Tu ne sais pas te faire rare. Tu ne sais pas te faire rare. Tu ne sais pas te faire rare. C'est que comme on t'a dit, tu es jolie là. Donc c'est comme ça ton corps là. On va voir jolie de corps là jusqu'à on sera dégoûté. On va voir beauté de corps là, on sera dégoûté.
C'est vrai, tu es jolie, le gars il te dit tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais c'est pas parce qu'il te dit tu es belle que tous les jours il doit te voir nu. C'est pas parce que tu aimes trop ton corps. Oui, c'est vrai, tu as une forme généreuse ou tu as une forme, tu es fine, tu ressembles à une mise, à un mannequin, tu ressembles à, tu es bien sculpté et tout. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on te dit ça que celui avec qui tu es, il doit te voir nu comme ça tout le temps. Tu as un beau corps, c'est vrai, mais même le corps, quand il est beau, il doit être rare. Il doit être rare. C'est ce qui va encore valoriser cette beauté. C'est ce qui va rendre encore cette beauté-là plus waouh, plus, je sais pas. Ça va donner de la valeur. Parce que tu es jolie, tu te regardes dans le miroir, tu as une jolie forme, tu as un beau corps, c'est fini. Tu es avec un garçon, tous les jours, c'est lui qui te voit nu. Tous les jours, tu es nu. Dès que vous voyez, tu es nu. Un de toi, tu es nu. Il suffit que vous soyez dans un espace. Clac, 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 tu enlèves tes habits, tu en caleçon, un soutien, en train de te trémousser, en train de marcher, peut-être tu as trop une belle forme. Arrivé à un certain moment-là, quand tu vas te mettre nu devant lui, là, il va te regarder comme ça, et puis papy, tout va même pas se lever. Ça va rien lui dire. Parce qu'il a trop vu ça. Tu montres trop. C'est pas un diamant, c'est caillou. Pour toi, elle est jolie, mais c'est joliesse de caillou. C'est caillou qui est joli. Caillou même. Quand tu es en train de marcher dehors, quand tu marches dehors, même tu vas dans un jardin là. Les cailloux même, les jolis cailloux là sont versés. Quand tu vas dans les jardins là, les jolis cailloux sont versés. Est-ce que c'est caillou qui est ça, qui est quoi? Joli caillou. Il y a plein de jolis. Mais caillou même n'est qu'être joli, comment, même qui le regarde? Caillou n'est qu'être joli, comment. Et quand vous sortez, vous êtes dans la rue souvent, vous voyez des cailloux qui sont jolis comme ça. Mais c'est-à-dire que le caillou même, tu vois, le caillou, il est transparent d'une façon, on dirait diamant. Mais comme tu sais que c'est caillou, que où il est là même, il peut pas, diamant peut pas être là-bas là. Est-ce que tu regardes caillou là-même? Tu le piétines là-bas même, tu jettes ça avec ton pied là-bas et puis tu passes. Parce que c'est caillou. Caillou sont jolis, comment on fait rien ça? Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc ton joli corps là, si on voit ça trop, le gars voit ça trop, arrivé à un certain moment, ça va rien lui dire. On est un garçon qui est devant lui. Donc c'est-à-dire que toi-même la go, même tu es choqué. Toi-même, la go, tu es choquée. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Mais je suis belle, je suis comme ci, comme ça. Mais maintenant, quand on se voit, je vais beau faire, je vais. J'ai l'impression que je suis transparente à ses yeux. S'il a trop vu, il a trop utilisé. Où est encore même. Où est le goût même encore même? Où est le défi même qui est encore même? Ça devient banal. Ça devient banal. Parce que la femme la plus sexy. Oh, j'adore ce chiot. Quand on dit femme est sexy, là. Quand on dit femme est sexy, là. Ça veut dire que son corps, là. On voit un peu. On voit un peu son corps. Mais on ne voit pas bien. C'est que c'est le mystère qu'il y a là. C'est le mystère qu'il y a là qui fait que. On dit, mais qu'est-ce qu'elle est sexy? Parce que la curiosité fait que tu te dis, mais attends. Non, mais avec ce que je vois là. Mais ça doit être comme ça. Mais ça doit être. Oh mon Dieu. C'est ça là qui fatigue tête de garçon. C'est ça là qui fatigue tête de garçon. Sinon, si tout est déjà dehors, tu n'es pas sexy. Quand tout est dehors là, tu n'es pas sexy. Parce qu'on a déjà vu. Donc ça n'a plus de valeur. C'est exposé. Ça n'a plus de valeur. La femme la plus sexy, c'est celle-là même qui cache son corps. Mais qui met des vêtements. Qui montre ses atouts. Voilà. Elle met des vêtements, elle met des choses qui montrent ses atouts, mais sans voir. Et c'est cette curiosité-là qui donne envie, qui. Mais, un, deux, trois, quatre, blagata. On tourne ici, blagata. On tourne là, blagata. C'est-à-dire, tu allais faire petite chirurgie, même là, même c'est fini, même tu as ventre plat, maintenant tu as fesses, tu as seins ronds, là, même c'est fini. C'est fini. Garçon te dit bonjour, net, voilà. Seins là dehors. Garçon te dit bonjour, voilà fesse là qui est dehors. Garçon te dit bonjour, voilà ventre qui est dehors. Parce qu'il faut forcément que tu montres ce que tu allais faire. Mais tu n'es pas obligé de montrer. Mais ta façon même de te vêtir, ta façon même de mettre ça en valeur là. Mais c'est cette curiosité là qui va. Non. Qui va faire que l'homme même, il va baver. Garçon, quand il n'a pas encore vu, et puis il voit un peu, puis il se dit, de toute façon, je vois là. Mais ça là, son. C'est ça là même qui le rend dingue. Mais quelque chose même qui est devant lui, on dirait jouer. Ça lui dit même plus rien. Tout ce qui est rare,
coûte cher. Tout ce qui est rare a de la valeur. Tout ce qui est rare est beau. Tout ce qui est rare, il y a quelque chose, il y a un mystère. C'est ça en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que toi, une fille même, ça dit que tu ne te fais pas désirer. Tu ne te fais pas ça. Là, je dis ça tous les jours. S'il y a des gens qui pensent qu'on dit, il faut toujours répéter. C'est-à-dire que si tu as dit quelque chose hier ou avant-hier, il faut répéter. C'est important. C'est important parce qu'il y a des gens là, pour comprendre, avant de comprendre, tu dois répéter plusieurs fois. Et il y a des gens aussi là, le jour que tu es en train de dire là, ils n'étaient pas là. Donc quand tu dis là, eux aussi ils découvrent. Donc le fait de répéter aussi, c'est très important. Le fait de répéter, c'est très important. Moi je vous dis toujours, je dis, arrêtez de vous faire mougou tous les jours par vos gars. Arrêtez de vous faire mougou tous les jours par vos gars. Tu as le gars, ça fait un an, ça fait deux ans, tu as lui. Il t'a mougou jusqu'à ma chérie. Aujourd'hui là, tu veux qu'il s'engage. Aujourd'hui là, tu veux qu'il s'engage. Il est là, il tourne à toi. Pourtant, quand vous êtes connu là, arrivé à un certain moment, c'est dit que à 4-5 mois là, il te parlait engagement. Oh bébé, je vais te doter. Non bébé, il faut que je te dote. Bébé, non, non, il faut que je te marie. Bébé, non, tu es la femme de ma vie. Il te disait ça. Hein? Mais il était sincère. Il était très sincère parce que en ce moment, il était, mais il était fou amoureux. Tu étais mystérieuse. Donc tout ce qu'il disait, il le pensait. Ne pensez pas que quand les hommes vous ont dit, il y a 5 mois en arrière, 6 mois en arrière, qu'ils veulent vous marier, qu'ils veulent s'engager et qu'ils ne le font pas des mois plus tard, qu'ils mentaient. Non, non, non. Ah non. Ils ne mentaient pas. C'est-à-dire que, à l'instant, au moment où ils disaient ça, c'était sincère. C'était sincère. Mais ce comportement que tu as eu après là, qui a fait que même c'est quitté dans sa tête. Comportement que tu as eu après là. C'est ce qui fait même que c'est quitté dans sa tête. Parce que un gars même qui veut s'engager, un gars qui veut te marier, un gars qui veut faire quelque chose de sérieux avec toi. Si déjà même les 1 an que vous avez fait ensemble, les 6 mois que vous avez fait ensemble, tu étais disponible jusqu'à... C'est-à-dire que vous étiez comme des lapins. Et puis toi, ça te fait plaisir. Hein? Vous étiez comme des lapins. Bébé, tu me manques, tu viens. Et puis tu prends taxi. Vous. Tu cours, tu t'en vas. Il vient te voir le soir. Ah bébé, dans la voiture là, bébé. Non, je ne sais pas quand je te vois comme ça. Ah, tu cours. Le lendemain encore. Bébé, tu cours. Tous les jours, hein. Du lundi au lundi, tu cours. Toi, tu es contente. Tu penses, c'est pas, il t'aime jusqu'à... Tellement il t'aime là-même. Quand il te voit, même, il est dans tous ses états. Donc, tous les jours, tu cours. Quand tu causes avec tes copines, tu es contente comme ça. Hé, hey, copine, il dit que... Il dit qu'il a tué le gars. Il est fond. Ma copine, juge. Il dit qu'il est fond. Il dit qu'il est tamponné. Il est mort. Il est malade de moi. Il était pas de quelque chose. Hé, hey, copine. Tu es faute d'être, tu as fait comment? Toi aussi. Il est malade de moi. Ah, lui, il peut résister. Il y a quelqu'un qui me voit dans un état. À chaque fois qu'on se... Il veut me voir tous les jours. Copine, tous les jours, il veut me voir. Il y a des fois où on se voit 2-3 fois par jour. Copine, il ne tient pas. Il ne peut pas tenir sans moi. Mon goût. Tous les jours, mon goût. Tu dis ça à ta copine, tu es contente. Toi, tu penses que tu es en train de faire là, c'est bon, hein? C'est l'avenir là, tu connais pas. Et une chanson, tu as commencé à chanter là, tu sais pas comment ça va finir. Tu entends un bat tam tam. Bon, quand tu te comportes comme ça là, tous les jours il est dans ton bas ventre là. À quel moment il va avoir envie même de ça? C'est-à-dire, arrivé à un certain moment là, même là. Bon, il va s'engager maintenant. C'est-à-dire, quand toi-même tu sais que on t'a mougou, remougou, remougou dans tous les sens, dans tous les lieux, partout, comme il veut. Dans bouche, dans narine, dans derrière, dans tout là. Bon. Et puis, un an après, pourtant, quand il te faisait ça là, arrivé à un certain moment, il te parlait engagement. Hein. Un an, deux ans après, et puis il ne parle plus de ça là. Bon, il va même vouloir envie même de te marier là, même de s'engager avec toi là. De toi à moi. Pour gagner quoi? Pour découvrir quoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'un homme, quand il veut te marier, un homme, quand il veut s'engager, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Il y a quelque chose qu'il n'a pas.
Donc il s'est dit, quand je vais la marier, quand je vais l'épouser, j'aurai ça. En fait, c'est ce truc-là, c'est ce rêve-là, parce que tu le fais rêver. Tu le fais rêver. Donc, il est là et puis il rêve. Oh, mais quand je vais la marier, ah, quand je vais l'épouser, je sais qu'elle va me faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est-à-dire, il se fait des idées tellement que ça lui donne envie de te marier. Pourquoi? Parce que tu lui montres qu'en fait, il y a des limites quand on est dans une relation Gwega. Et donc, pour avoir certaines choses, il faut que ce soit mérité. Et c'est ce qui fait qu'il a envie de s'engager. Mais pour un Gwega, il a droit à tout. Il a accès à tout. Il va s'engager pourquoi? Il y a quel enjeu? Il va s'engager là, c'est pourquoi? Non, tu es là, oui, il ne veut pas, mais il m'a dit qu'il allait s'engager. Il ne fait pas, il ne parle plus de ça. Mais il va parler de ça pourquoi? Il a tout vu. Il a tout vu. Toi aussi. Bon, un hôtel, tu vas dedans. Tous les jours, tu vas dans l'hôtel là. Matin, midi, soir, tu es dans l'hôtel là. Mais arrivé à un certain moment, l'hôtel même t'intéresse plus. Même si c'est 10 étoiles. Ça t'intéresse plus? Ça t'intéresse plus? Tu as trop été dans l'hôtel. Mais la nourriture, tu l'as trop mangée. Tu as mangé même sans te fatiguer. Donc, si vous voulez qu'on s'engage là, si vous voulez qu'on vous marie là, si vous voulez qu'on s'engage avec vous là, soyez rare. Faites-vous désirer. Voilà. Parce que quand on vous dit de vous faire désirer là, souvent vous ne comprenez pas. Faites-vous rare. Le diamant et puis le caillou là, c'est même famille. Mais ça veut dire diamant est rare. Quand on pense que diamant est quelque chose. Donc vous là, soyez des diamants. Ne soyez pas des cailloux. Femme caillou. Pourquoi? Ou bien tu penses que tu es jolie. Si un homme est toi obligé, il va te marier. Ma chérie, on ne fait rien ça. On ne fait rien ça. Beauté là, c'est au début, garçon est émerveillé. Hein? C'est au début, le gars, quand il voit ta beauté, il est émerveillé. Ah, oh, mais qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est canon, mais qu'est-ce qu'elle est sexy. Ça, c'est au début. C'est au début, ça impressionne. Mais quelqu'un qui te voit tous les jours, tous les jours, tous les jours, ta beauté là, c'est fini. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. C'est-à-dire que souvent, vous êtes. C'est-à-dire, souvent, vous êtes tellement disponible. Vous êtes tellement accessible. On a accès à vous tellement facilement. Qu'au bout d'un moment, quand il y a une nouvelle personne qui fait son entrée, et puis on vous néglige, ça vous fait mal. Parce que souvent, vous êtes avec vos gars là. Souvent, vous êtes avec vos gars, et puis il y a une femme, une fille qui arrive. On est à 2 millions, bravo mes amours. On monte, on continue. On continue mes amours. Souvent là, tellement que vous êtes collante. Tellement que vous êtes collante là. Tellement vous êtes disponible là. Tellement on vous voit tous les jours, à n'importe quelle heure. Partout où on veut. Vous n'avez même pas, il n'y a pas de mystère. Tellement qu'on cause avec vous. Toute la journée, on est au téléphone avec vous là. C'est fini. Donc souvent, quand vous êtes avec vos gars là, il y a une amie qui arrive. C'est simplement une amie. Hein. Souvent même, c'est même pas sa grosse. Simplement une amie. Mais quand elle arrive là, le gars est plus attentionné. Il est plus sur elle. Il s'intéresse plus à elle. Pourtant, tu es assise là. Hein? Et toi, ça te vexe. Mais c'est normal que ça te vexe. Parce que, attends, tu te dis, mais attends, je suis avec mon chéri. Il y a une fille qui arrive, une nana qui arrive. C'est vrai, c'est pas sa petite amie. Mais bon, il est plus concentré sur elle. Il débarrasse sa table. Il demande ce qu'elle veut manger. Il demande ce qu'elle veut boire. Il est à ses petits soins. Je comprends pas. Alors que moi, sa petite amie, moi, sa chérie, je suis assise à côté. Il m'ignore limite. Et il va t'ignorer. Il va t'ignorer. Elle qui est arrivée là, elle est diamant. Elle est diamant, elle n'en voit pas tous les jours. Elle est rare. Donc, de toute façon, on l'a vue là. C'est pour ça qu'on est sur elle comme ça. Mais toi, on te voit tous les jours. Tellement qu'on te voit, en fait, c'est comme ça. C'est l'être humain qui est comme ça. C'est l'homme qui est comme ça. Donc, tu es automatiquement banalisé, négligé. Tu as mal, mais c'est comme ça. Si tu ne veux plus avoir mal, il faut te faire rare. Si tu veux plus avoir mal, il faut te faire rare. Tu es collante jusqu'à le gars, même quand il te dit, il va voir ses amis. Ou bien il va être avec ses amis là. Tellement que tu es collante, tu l'accompagnes. Souvent, même il te dit, non, si je veux être avec mes amis, toi, tu l'accompagnes. C'est-à-dire que toi, parce qu'on est avec toi là, on ne doit plus aller quelque part seul. Le gars te dit, mais chérie, laisse-moi aller. Non, je vais être avec mes potes. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Toi et moi, on est ensemble. Pourquoi tu ne veux pas aller avec moi? Pourquoi tu... Et puis, tu fais palabre.
C'est-à-dire que tu fais tellement palabre que le gars, limite, il te dit, bon, on y va. C'est pas qu'il a envie que tu sois à sa compagnie, mais c'est parce que tu saoules. Donc, pour couper court, pour éviter de se prendre la tête, il te dit, suis-moi. Mais quand tu t'en vas à lui, là, et puis il est à ses potes, là, est-ce que tu vois, il te calcule? Est-ce que tu vois, il te calcule? Quand tu vas à lui, hein, et puis il est à ses potes, là, tu vois, il te calcule. Tu as 6 ans derrière un truc. Tu as ignoré. Toi-même, c'est dit, tellement que tu as ignoré même, tu es assise au milieu d'eux-mêmes, tu es gênée. Tu as envie même de te lever pour dire, je vais rentrer. Mais c'est la honte qui fait que tu ne peux pas dire ça, mais tu es assise là. Tu deviens petite comme ça parce que c'est ça. Tu es de trop. Tu es de trop. Arrêtez d'être de trop comme ça. Arrêtez d'être de trop comme ça. Tu es assise au milieu d'eux jusqu'à... Tu es là. Faut te lever, tu vas rentrer un peu. Faut te lever, tu vas rentrer. Si tu pensais que c'est parce qu'il partait voir une fille et que tu es parti maintenant, tu as vu qu'il est avec ses amis là. Faut te gêner. Faut dire, bon, écoutez. Ah bah écoutez les gars, j'ai quelque chose à faire, je vous laisse. Ils vont dire, ah bon, tu t'en vas, tu pars? Bah tu peux rester, tu nous déranges pas. Non, 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 mais non, je pars. J'ai des choses à faire. Même si tu n'as rien à faire, faut te lever, tu vas partir. Mais non, tu ne te lèves pas, tu ne vas pas. Tu es assise là jusqu'à 3h, 4h du matin, tu es au milieu des garçons là. À force même de faire ça, même arrivé à un certain moment même, les amis même du gars même ne te respectent pas. Les amis du gars là, ils ne te respectent pas. Ils ont une façon de te parler là. Toi, mais c'est que des foutaises. Ils ont une façon de te parler là. On connaît. On connaît. Quand tu es avec un gars même qui est fatigué de toi, tu te fais pas désirer, tu es collante. On connaît comment ça se passe. Ses amis même ne te respectent pas. Ils ont une façon de te parler. Maintenant, ils me disaient que c'est foutaise. Ils te parlent en façon. Bah oui, tu es trop collante. Non, le gars même là, il dit à ses amis, mais franchement, elle me colle trop. Franchement, elle me colle. J'ai même pas d'espace avec elle. Elle est trop collante. Donc même quand tu es là, même ses amis m'ont une façon de te prendre, toi me disais que tu sais que tu n'as plus de valeur, tu es devenu caillou. Toi qui étais diamant là, tu es devenu caillou. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Non, ne fais pas ça. Faites-vous désirer. Faites-vous désirer. C'est pas parce que tu suis un homme que s'il a envie de te tromper, il ne va pas le faire. Moi, je vous dis, vous vous trompez. Moi, je vous dis, vous vous trompez. Au contraire, même un homme, quand tu le colles, c'est là même qu'il te trompe. Un homme, quand tu le colles là, c'est là qu'il fait des bêtises. Garçon, c'est comme enfant. Garçon là, il est comme enfant. Les enfants, même quand tu apprends ton enfant, fais pas ça, touche pas à ça. C'est là la main, il va les toucher, puis il va casser. Les enfants, c'est comme ça. Mais quand tu t'occupes pas d'eux là, tu les ignores là, c'est là main, ils vont bien se comporter comme des adultes. Donc, un homme, c'est pas quand tu vas lui courir après là, qui va l'empêcher de faire des bêtises s'il en a envie. Ça va rien changer. Parce que vous n'êtes pas des frères siamois quand même. Et vous n'êtes pas collés. Même les jumeaux même se séparent. Enfin, chacun va qu'à ses occupations. Donc, tu vas beau le coller, mais quand tu vas le décoller là, c'est le moment où tu vas le décoller là, le petit moment où tu le décolles là, mais il fait du sale. Ce qu'il fait, mais c'est grave. C'est grave. Donc, comprenez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Faites-vous désirer. Faites-vous désirer. Même si tu te fais désirer et que cet homme-là, parce que tu te fais désirer, il part, mais c'est qu'il ne t'aimait pas. C'est qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Parce qu'un homme qui n'aime pas n'est pas patient. Un homme qui n'aime pas, là, il n'est pas patient. Un homme qui aime est patient. Quand tu aimes une femme, là, tu es patient. Quand tu aimes une femme, là, si elle t'a pas manqué de respect, qu'elle te dit seulement des choses bien, ça ne peut pas te décourager. Donc, si toi-même, tu veux montrer à un homme que tu te fais désirer, tu te fais respecter, tu te respectes,
Si c'est ce qui fait qu'il va partir, mais il n'a pas parti. Parce que la relation même, elle allait où? La relation même, là, ça allait où? Nulle part. Parce que lui-même, là, ses intentions même n'étaient pas bonnes. Ses intentions n'étaient pas bonnes. Les hommes aujourd'hui sont de plus en plus dans la facilité. Les hommes aujourd'hui, là, ils sont de plus en plus dans la facilité. Attends, il a bloqué lui, là. Il a bloqué un crabe. Voilà. Voilà. On bloque les crabes. Oui. On va bloquer les crabes parce que les gens t'ont donné conseil. Je donne conseil à ceux-mêmes qui m'ougoussent. Ceux à qui on dit quand même je t'aime ou ceux-mêmes qui sont dans relation. Bon, toi-même où tu es là-même, tu es un frappeur d'Aoko. Toi, c'est dit que toi, ta go là, c'est savon. Bon, tu vas comprendre quoi dans ce que je suis en train de dire. Et dit, ce que je suis en train de dire là, tu vas penser que c'est du charabia. Puisque ta go, c'est du savon. C'est dit que toi, tous les jours, tu frappes à Oko. Tu prends savon, tu rentres dans la douche, tu prends savon, tu frappes ton Aoko. C'est elle qui est ta go, hein. C'est savon là qui est ta go. Donc, si toi, tu es dans un conseil des deux êtres humains qui sont en train de vivre une relation, toi, tu ne peux pas comprendre. Donc, je te bloque. Comme ça, tu vas te retrouver dans ta douche sombre avec des verdates. Tu vas prendre ton savon Kabakuru, ton savon là même. C'est-à-dire que c'est un savon même qui peut tuer l'homme. Mais comme même tu es Yougos, le savon même ne te fait rien. Le savon même lui-même, il a peur même de toi. Donc, tu vas aller faire ton Aoko là-bas. Tu vas quitter sur mon direct ici. Ici, c'est pour les caviar. C'est pour les champagnes. Voilà. Ceux qui se lavent. Ceux, au moins, qui sont en couple. Tu as un gars, une go, qui ont femme, qui ont fiancé, c'est ça, c'est ici là, c'est leur page. Sinon, toi, un frappeur d'Aoko, tu vas faire quoi sur mon direct? Allez, dégage, bloquez ça. Faites-vous désirer, mes caviar. Faites-vous désirer. C'est très important. Moi, je dis, c'est pas parce que tu es avec un homme que tu n'as pas ton espace et que l'homme ne doit pas avoir son espace. Non. Quand tu es avec un mec, il doit avoir son espace. Tu dois avoir ton espace. L'homme, quand tu lui donnes trop son espace, là, c'est lui-même qui te court après. C'est lui-même qui va te courir après. Mais si tu ne lui as pas donné espace, là, c'est qu'il va te faire, il va te fuir. Et toi, tu lui cours, tu te colles à lui, il te fuit. Tu te colles à lui, il te fuit. Non. Faites-vous respecter. Aimez-vous. Aimez-vous. Si toi-même tu t'aimes pas, qui va t'aimer? Si tu t'aimes pas là, qui va t'aimer? Qui va t'aimer? Mais tu t'aimes tellement pas qu'il suffit que tu sois avec un homme que tellement que tu t'aimes pas, tu veux que lui t'aime pour combler le vide qui est en toi. Mais aucun homme ne peut boucher un vide. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire que toi, une fille, toi, une femme, si tu te dis, j'ai un vide au fond de moi et j'ai besoin d'un homme pour combler ce vide-là, tu vas souffrir toute ta vie. C'est-à-dire que toi, tu vas traverser la vie, tu ne vas pas vivre ta vie. Parce qu'aucun homme ne pourra combler ce vide-là. Un homme, quand il rentre là, toi-même, tu combles ton vide. Et puis lui, il est complémentaire. C'est-à-dire que ton vide est tellement comblé que ça lui donne envie d'être avec toi. Mais un homme qui vient dans ta vie, qui voit qu'il y a un vide et que tu lui demandes de combler ce vide-là, mais cet homme, automatiquement, il te sent assisté. Et quand il te sent assisté, il n'y a plus ce truc, ce mystère. Enfin, je dis, tu deviens comme une charge pour lui. Et ça le fait fuir. Ça le casse un peu dans son élan. Ça le décourage. Parce qu'il s'est dit, tu attends trop de lui. Et donc, quand un homme sent que toi, la fille, tu attends trop de lui, en fait, ça lui fait peur. Parce qu'il s'est dit, mais je ne lui ai rien promis. Enfin, je dis, moi-même, je me cherche. Donc, de la manière que je vois là, on dirait qu'elle compte trop sur moi. On dirait que, et puis c'est comme ça, il quitte dedans. Donc, toi-même, tu ne comprends pas pourquoi le gars, il est quitté dedans. Il est quitté dedans parce qu'en fait, il a compris que tu étais une charge. Lui-même, il est un enfant, il n'a pas fini de grandir. Toi, tu as venu te rajouter. Lui-même, il entend se chercher. Toi, tu as venu te rajouter. C'est celui, toi, tu comptes pour être stable. C'est celui, toi, tu comptes pour être heureuse, pour être épanouie. Et non.
Donc, quel que soit ce qu'il va faire, tu ne seras jamais satisfaite. Parce que tu as besoin de combler un vide. Et lui, ce qu'il te donne, en fait, ça ne peut pas combler ce vide. Faites un travail sur vous-même. Faites un travail sur vous-même. Faites un travail sur vous-même. Si tu n'es pas bien, que tu as un vide, fais un travail sur toi-même pour boucher, combler ce vide-là. Ne compte pas sur un homme pour combler. Tu vas trop souffrir. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand toi une femme ou toi une fille, tu es vide de l'intérieur, tu es mal, tu as un mal interne et que tu te sens mal, tu n'es pas heureuse ou tu n'as pas confiance en toi, le mec qui rentre dans ta vie, en fait, tu lui demandes tellement que toi, ça te rend, en fait, ça te rend collante, ça te rend saoulante. C'est-à-dire que ce que toi, tu penses être logique, parce qu'en fait, tu as un vide que tu veux combler, lui, il trouve ça, il trouve comme si, en fait, c'était de trop. Tu lui demandais trop, tu te plaignais trop. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui disent, mais tu te plains trop. Tu ne trouves pas que tu te plains trop? Tu es tout le temps en train de te plaindre, oui. Parce que tu as envie de combler ce vide. Et lui, il ne peut pas. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un infirmier, ce n'est pas un assistant social. Ton problème que tu as connu dans ton enfance, ta souffrance que tu as, ce bagage que tu as, que tu n'arrives pas à t'en défaire, ce n'est pas lui un inconnu qui vient comme ça, qui a lui aussi son histoire, son vécu, ses problèmes. Ce n'est pas celui que tu vas compter pour. Ah non, non, ce n'est pas possible. Donc tant que tu vas voir la vie, tant que tu vas voir la relation comme ça, les hommes vont rentrer dans ta vie. Ils vont partir, ils vont rentrer dans ta vie, ils vont partir. Ils ne vont pas partir parce que tu es moche, non. Ils ne vont pas partir parce que tu n'es pas belle, parce que tu ne t'habilles pas bien, ou parce que tu ne sens pas bon, ou parce que tu ne sais pas beaucoup. Non, non, non. Ils vont parce qu'il y a une pression que tu mets sur le mec, mais la pression, elle est énorme. La pression, elle est énorme. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu es dans l'action. Mais celui qui encaisse, celui qui reçoit, mais... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme ça qu'il part. Et en fait, tu comprends pas. Tu continues. Et le prochain sur qui tu tombes, rebelote. Les mêmes attitudes. Lui aussi, il part. Tu tombes encore sur un autre. Les mêmes attitudes. Lui aussi, il part. Et finalement, tu te dis, mais j'ai pas de chance en amour. C'est pas que t'as pas de chance en amour. Tu as de la chance en amour. Mais tu confonds les choses. C'est que quand tu es avec un mec, tu penses que c'est un médecin. Tu penses que c'est un psy. Tu penses que c'est un infirmier. Tu penses que c'est un distributeur de bonheur. Non. L'homme, quand il rentre dans ta vie, là, toi-même, tu as déjà ton bonheur. Puis c'est lui pour lui, là, ça complète. Ça, la comprenez. Comprenez. On a tous un vécu. On a tous une histoire. On a tous un vieux démon qui est là. On a tous des souvenirs qui remontent parfois et qui nous font pleurer et qui nous attristent. Malheureusement, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Si tu ne fais pas un travail sur toi-même et tu n'arrives pas à dominer ça, mais tous les hommes qui vont rentrer dans ta vie, ils vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir. Pourtant, tu es belle. Pourtant, tu es talentueuse. Tu as tout pour toi. Mais pourquoi est-ce que les hommes ne restent pas? Parce que ta souffrance, tu attends un homme pour guérir de ça. Alors qu'il y a des professionnels qui sont là. Il y a des psys qui sont là. Il y a des coachs qui sont là. Il y a plein de personnes qui sont là. Eux, ils sont professionnels. C'est-à-dire, eux, ils peuvent t'aider. Ils peuvent t'écouter. Ils peuvent t'accompagner. Mais tu ne fais pas ça. Ces garçons qui te mougoulent à toi, tu veux qu'ils fassent le travail des psys, ils fassent le travail d'infirmiers. Pourquoi? Il ne peut pas, il va partir. Il va partir. Et donc, ça te fait, tu deviens collante. Tu colles, tu colles, tu colles, tu colles. Et tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu attends tellement du mec que finalement, le mec, tout ce qu'il fait, tu te dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Lui, là, il dit quoi? Attends, il y a un commentaire, là, il a bloqué ça. Attendez.
Ok. Non. Vous avez compris. Faites-vous désirer. Hein. Faites-vous désirer. Hein. Faites-vous désirer. Un homme, quand tu acceptes tout et n'importe quoi, après, tu deviens banal. Faites-vous désirer. Je sais que vous êtes plein comme ça à ne pas aimer les problèmes ou ne pas vouloir les problèmes. Donc, ce qui fait que parfois, vous ne vous plaignez pas. Vous ne dites pas non quand il le faut. Il n'y a pas de reproche. En fait, vous ne... Tout ce qu'on fait, vous ne vous plaignez pas. Parce que vous évitez les problèmes. Mais tu ne peux pas être pacifique à ce point-là. C'est-à-dire, si tu es dans une relation et que tu veux être la nana trop pacifique, mais il n'y a pas de règles dans ta relation. C'est comme un marché, en fait. C'est comme un marché. Chacun fait ce qu'il veut. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est... Non. Le fait de dire non, le fait de dire j'aime pas ça, le fait de dire je n'accepte pas ça, le fait de dire moi on me fait pas ça. Alors là, si c'est comme ça, ça veut continuer, je pense que la relation va parce que je suis censée être dans une relation pour me sentir aimée, me sentir respectée. Mais la tournure que ça prend, ça me fait souffrir et je ne peux pas continuer. C'est-à-dire, c'est une façon, tu ne parles pas dans l'agressivité, mais en fait tu montres au gars que tu as des limites et que ta paix intérieure passe avant tout. C'est ça en fait, avoir des principes. Mais quand tu acceptes tout et n'importe quoi, parce que tu as peur de faire des problèmes, tu as peur que le gars parte, mais arrivé à un certain moment, il fait des choses sans même s'en rendre compte en fait. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de te détruire. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de te faire mal, puisque tu as toujours laissé faire. Vous voyez, c'est-à-dire que parfois, c'est ce qui fait que parfois, il y a des nanas, elles sont avec leur mec, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Le mec, il a toujours été médiocre. C'est-à-dire que le mec, il s'est toujours moqué d'elle. Il lui a toujours parlé mal. Il a toujours fait tout ce qu'il voulait. C'était un marché. Il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de principes. Il faisait... Et la nana, en fait, 4 ans, 5 ans après, elle se réveille. Elle dit, oui, j'ai écouté Coach Amon Chik. Voilà. Elle a dit ça, elle a dit ça. Bon, moi, je ne peux plus supporter. Moi, je ne peux plus supporter. Je vais lui dire 2 mots. Et le gars, en fait, tu commences à te plaindre. Oh, tu ne me respectes pas. Oh, tu fais ça. Oh, tu fais ça. Et le gars, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, tu te plains de quoi? Ah, je me plains de quoi? Tu ne vois pas ce que tu me fais? Il te dit, mais qu'est-ce que je te fais? Tu te plains de quoi? Qu'est-ce que je te fais? En fait, il ne comprend pas ce qu'il te fait, puisque depuis le début de votre relation, ça a toujours été comme ça. Donc, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu acceptais hier que tu ne veux pas accepter aujourd'hui? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que 4 ans après, tu te réveilles, tu trouves que ça, tu ne peux... Enfin, je dis, le gars, il ne comprend pas. Donc, il y a eu une compréhension. Parce qu'il a toujours fonctionné comme ça avec toi. Il a toujours marché comme ça avec toi. Tu viens comme ça, tu dis non, c'est fini, je veux plus de ça. Ça, il faut que ça change. Mais il faut que ça change de quoi? C'est pour ça qu'on dit, le respect s'impose dès le départ, dès le début de la relation. C'est ça. C'est-à-dire qu'en début de relation, quand il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est là que tu dois. Quand il y a quelque chose qui est bizarre, c'est là que... Parce que c'est comme ça que vous grandissez. Mais vous avez grandi dans impolitesse. Vous avez grandi dans foutaise. Votre relation a grandi dans impolitesse, dans foutaise, dans je m'en foutisme. Donc, je fais ce que je veux. Et puis, un matin, quand tu te réveilles des années plus tard, tu veux que tout change. Pourquoi? Ça ne peut pas changer. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Il ne peut pas comprendre. Donc, ce n'est pas lui de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est de ta faute. Parce que tu as permis cela. Tu as permis cela. Donc, voilà. On dit que c'est comme de la manière que tu éduques un enfant. L'enfant demain, quand il arrache un téléphone dehors, ne sois pas étonné. C'est l'éducation que tu lui as donnée. Donc, de la manière il se comporte là, c'est de la manière tu l'as rééduqué là, il est. Sinon, le jour, il n'est plus à toi. Qui va aller se mettre avec une femme? Si c'est une femme fatale, il va changer. Elle va le remettre au pas. Elle va le rééduquer. Donc, toi-même, l'homme là, tu vas le voir, tu ne vas pas le reconnaître. Tu as dit, attends, celui-là, moi, il me faisait ça. Avec la nana, il ne fait pas assez qu'elle a bassé. C'est qu'elle a bassé, ça c'est sûr. Elle n'a pas bassé. Elle a remis au pas. Parce qu'elle, là, elle a des principes. Elle a des limites. Elle sait ce qu'elle veut. On appelle ça avoir du caractère. Et une femme doit avoir du caractère.
Une femme ne doit pas accepter tout et n'importe quoi. Parce qu'elle est avec un homme qu'elle aime, qui est son genre. Tu fais ça, tu te tues, tu te détruis. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc voilà, mes amours, je vous laisse. Je vous laisse, mes amours. Il est quelle heure? Bon, je vous laisse, mes amours. C'est un sujet, un thème. Ça ne doit pas trop durer. Sinon, après, les conseils, ça ne va pas rentrer. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Et sachez qu'il y aura encore d'autres thèmes. Il y aura encore d'autres thèmes. Je vais peut-être revenir sur certains points. Voilà, parce qu'une relation de couple, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes choses. Donc, souvent, tu peux parler d'un thème et puis il y a des choses que tu as dit d'un autre thème qui peuvent revenir. C'est ça, c'est une relation amoureuse, c'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci à tous mes caviars qui ont tapoté. On est à plus de 2 millions de likes. Merci en tout cas, c'est énorme. Pour un direct où c'est juste le sujet, c'est énorme. Merci à vous. Merci d'avoir sécurisé le direct. Merci à tous mes caviars qui m'ont envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Et puis, on est ensemble. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.